Et bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Halo Saint Guardian. Donc je découvre le jeu avec vous, je ne l'ai pas encore testé. Donc je vous laisse le lancement du jeu, je reviens après. Voilà, voilà. Donc je n'ai pas fait la mise à jour du multi malheureusement. 9 Go la mise à jour. Ça fera plus tard. Allez, je mets le son à fond. Attention aux oreilles. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc, c'est parti pour Halo 5 Guardian. Alors, je vais juste faire la première mission avec vous, et après, je vous laisse tranquille. Alors. Donc, ouais, je suis hors ligne. Il y a un mode facile, je suis au mode normal. C'est parti. Donc, je découvre le jeu avec vous. Donc sachez que le jeu sort demain. Mais que je vous propose en avant-première. Allez, je vous laisse la cinématique. Spartan Locke. J'ai passé assez de temps au sein de l'ONI pour savoir à quoi m'attendre. Quand ce sera fini, après tout ce que j'ai fait, ils vous donneront l'ordre de nous tuer. Équipe Osiris, au cours des 72 dernières heures, 5 colonies ont été touchées par des incidents similaires. Destruction massive d'origine Forerunner. Le docteur Catherine Elisabeth Halsey a réussi à nous contacter. Elle dit détenir des informations sur ces attaques. Halsey est actuellement détenue par les Covenants sur la planète Kamchatka. Votre mission est de franchir les lignes ennemies, récupérer Halsey et la ramener sur l'Infinity. Une dernière chose, Halsey est accompagné par le chef suprême des Covenants, Julem Dama. Si l'occasion se présente... Entendu, commandant. Bonne chance, Spartan Locke. Infinity terminé. Pistage activé. Affirmatif. Hey, avant qu'on fasse le grand saut, quelqu'un veut dire un truc? Si Dieu perçoit ma peur de là-haut, il est sans doute pas le seul. Locke, tu paieras ta tournée quand on aura terminé? Ta soif, tu paies. Équipe Osiris, on a le feu vert. Bien fait, Tanaka.
Spartan Buck, prêt à intervenir. Spartan Veil, reçu. Feu à volonté. Contact. Claque graphique. Là, on va dire ce que c'est clairement, c'est une vraie claque. Ok. Ils arrivent. On aurait pu les avoir. On bouge. Veille. Ok, grenade. On vise. Ok, c'est comme les call-off. Bug, Tanaka, montez la garde. Ok. Ok. Alcée, Endam. Je vais juste régler la sensibilité parce que là, c'est... sont planqués devant, dans une structure fort bonheur. Voilà l'objectif. C'est Alcée qui nous a appelés ? Elle a dit qu'il se préparait quelque chose d'important et a transmis ses coordonnées au capitaine Nesquik. Ça doit être important. J'ai un visuel. C'est ça ? Ok, c'est un chien. Ok, il y a des chiens. D'accord. Pas monté. D'accord. Et un grand pas en moins. Ouais. Ok, là c'est pour ça qu'on pire, d'accord. Là c'est un coup, d'accord. Ok, putain, ça va être compliqué les touches. Ah non. Oh, les nouvelles armes, elles gèrent sa race. Oh, elles sont déconnées. Avançons vers la position d'Alcée. Des soldats Fort Honneur sur la falaise, traquez-les. Oh mon dieu, c'est quoi ça? Les soldats se sont téléportés à travers la glace. Oh mon dieu! Pourquoi appuyer sur RB? Ok! Putain, tu peux se téléporter et tout quoi, sérieux! Oh, sans déconner! Putain, regardez-moi la roche! Oh, c'est une vraie claque! Alors, je suis désolé, c'est la qualité, elle est... Des Prométhéens partout! Elle est partout! Mais c'est juste que voilà, niveau espace et tout, déjà la vidéo en temps normal elle est vachement lourde. Donc du coup je préfère réduire la qualité quand même. Putain, je prends cher.
Wow. Un chien, non? Ah ouais. J'avais pas capté ce chien. Je me bats, c'est un chien en fait. Merde. Donc normalement, il y a un crâne qui devrait m'aider normalement. C'est reparti, Locke. Eh ouais. Merci, Spartan. Oh mon dieu, un guet-apens. What the fuck. Putain, mais on est dans leur bave ou quoi ça. Oh putain, je suis mort. Je suis dans la merde. L'ennemi repéré près de cette structure. Signal. Reçu 5 sur 5. Système analysé. Il y a un interrupteur de désactivation en haut de la salle. La porte est bien fermée. Une station de sécurité Forerunner, sûrement en bouclage. Aïe. Un moyen de l'enlever. L'Artemis peut analyser les systèmes Forerunner. Il y a peut-être un moyen d'ouvrir cette porte. L'Artemis, encore un gadget de l'ONI? En quelque sorte. J'ai convaincu le commandant Palmer de nous fournir des tentatives. Voyons. Ça devrait le faire. Cool. C'est ouvert. L'Artemis a marché. Locke, écoute un peu ça. On donne l'assaut sur l'arrière du temple. Sortez le Kraken. Voilà le Kraken. Tenez vos positions. Gagnez du temps. Jules sait plus quoi faire. Ah là oui, aussi, si vous avez un petit écho. Je vais mettre les sous-titres aussi. Si vous avez un petit écho, c'est normal. D'une navette diplomatique. Si long mois à dériver, perdu au beau milieu de l'espace. Alors j'en ai profité pour apprendre. Notre objectif est de l'autre côté de ce champ de bataille. Attention, Kraken! Les Covenants essaient de s'en servir pour forcer les lignes prométhéennes. J'aimerais pas être coincé entre les deux. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Je sais pas ce que c'était. Ça m'a dégagé. Oui, oui.
Richard, tout va bien alors. C'est bon, merci. Oh le mec, je l'ai démonté. Attendez, juste deux secondes, j'ai un petit problème. Avec un truc, voilà. Voilà, c'est bon. Bon, je vais pas vous dévoiler plus le scénario que là.